Eh bien voilà, on se retrouve pour une deuxième vidéo en champ de bataille sur Hearthstone. Cette fois, on va pas... Moi, je vous dis les trois catégories gagnantes pour, de cartes pour moi. C'est pirate, bête éventuellement. Lui, il joue, tu peux jouer, mais lui, il faut jouer uniquement démon. Et j'arrive pas à jouer démon. Ou alors je perds à chaque fois. On va jouer lui, du coup. Catégorie gagnante pour moi, c'est pirate, mecha, élémentaire si tu sais les jouer. Et murloc si tu sais les jouer. Le reste, c'est du pibicha. C'est pour ça que jouer dragon avant, c'était un peu chaud. Ah, revoilà mon commandant préféré. Je suis prêt, c'est quand vous voulez. Vas-y, on part sur bête. Allez, vas-y. C'est déjà quoi, ça? Ah, voilà. Ok. Donc ça, typiquement, le pouvoir héroïque, ça transforme une carte en carte dorée. Ça, on va typiquement le faire sur une carte de niveau 5 ou 6, tu vois. Étant donné qu'elles sont beaucoup plus dures à avoir. Et je pas sur un niveau 1. Un bon combat. Bon, moi, j'ai perdu. Parce qu'elle est un rip-hop après, une fois qu'elle meurt. C'est pas grave. C'est pas grave du tout, on a directement la double hyène, ça c'est pas mal du tout. Comme ça, dès le début, elle pourrait être forte. On va pas prendre ça, parce que franchement, voilà. Vas-y, on part sur bête. Un petit gameplay bête cette fois. Lui par murloc. Je vous rappelle que la hyène gagne de l'attaque et de la vie à chaque fois qu'une bête meurt. Vos serviteurs ont vraiment tout. Oh merde. Bon, vas-y, on améliore la taverne. Yes. C'est bon ça. C'est bon ça, c'est rare de commencer comme ça. La hyène, normalement, ça vient plus tard. Il y a ça aussi, mais ça, c'est vraiment nul. On va pas l'acheter. Continuez comme ça. J'ai perdu. Bah oui, bah fallait faire un choix entre améliorer la taverne ou bien acheter des serviteurs. J'ai fait un choix. En tout cas, lui, il a toujours la taverne niveau 1. Ah non, pas du tout, il est niveau 2. Je sais pas comment il a fait, là. Allez, c'est rien. Bon, ça, c'est la mise à jour, c'est un nouveau truc. Je coûte 2 pièces d'or, ok. Ah, je prendrai ça. Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. Alors on a ça. Ça pour commencer, c'est pas trop mal. Et on n'a rien. Bon là, en vrai, on n'est pas en... Pas en mauvaise posture. Je regarde les niveaux de taverne, où ils en sont. Ils sont aussi au niveau 2. Ça, on s'en fout. Chaque fois, la hyène qui gagne de la...
Bah voilà, regardez, juste la hyène, elle va faire tout le taf pendant un bon moment, là. En vrai. Chaque fois qu'une bête meurt, elle gagne plus 2 plus 2, un truc comme ça. Vos serviteurs ont vraiment alors, on va prendre lui. Et lui. On est très bien pour l'instant. Ouais, regardez. Gagne plus 4, plus 2 à chaque fois qu'une bête meurt. Donc eux, ils meurent. Plus encore, ils font pop des trucs. Ça nous met très bien. Franchement, avec la hyène dorée déjà maintenant, on pouvait pas être mieux. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que le prochain tour, on va améliorer la taverne parce que les meilleures bêtes, elles sont au niveau 5 et 6. Ce qui est logique en même temps. Et voilà, la corde a fini de brûler. Vous vous débrouillez jouer. Vraiment bien. Ah lui il joue Murloc pirate. Moitié Murloc, moitié pirate. Un Murat en fait. Là ce qui me prendrait c'est un taunt en fait. Pour éviter qu'il attaque ma hyène au début. Mais la hyène va faire tout le taf à chaque fois. Ok. Ok. Alors on a dit taverne, hein. En plus, il n'y a pas de bête, à part le chat, mais bon. Alors, taverne. Numéro 3. Et on a ça. Ça, c'est pas mal du tout. On va le mettre là. Sachant que les cartes attaquent de gauche à droite. Hein. Donc lui il va attaquer en premier. Et lui il va attaquer en dernier. Par contre, quand t'attaques en face, t'attaques n'importe quel serviteur. Sauf s'ils ont provocation. À ce moment-là, tu attaques en premier. Mais sinon, ça attaque n'importe quel. C'est les règles de base, quoi. On va jouer contre lui. Non, pardon. Lui qui joue pirate. Ah, il joue un petit peu pirate en fait, il n'y a que deux pirates. Regardez, il y a la hyène qui est en train de se préparer là en bas. Yes. Yes. Oh putain, cette hyène de malade, quoi. Bon travail. Continuez sur votre alors, on n'a pas de bête. Oh yes. Vous voyez, il y a des parties où t'as plus de chance que d'autres. Hein. Là, je suis déjà à deux cartes dorées. Il y a des parties où ça vient juste pas en fait. Là il y a lui. Mais lui il va servir à rien. C'est ça le problème. Lui il va servir à rien au milieu. On va donner ça. Vas-y. En vrai c'est utile. Lui putain. J'ai pas envie de dire que c'est le plus utile mais on en est pas loin.
Puis pour l'instant, on reste comme ça. Ça, c'est quoi? Ouais. Bon, ouais. Ah, il joue dragon. Oh! C'était pas loin. Putain, Mayan qui a failli passer dès le début. Putain, il a 13 d'attaque. Ah bah oui. Oh merde. Il en avait deux. Il avait deux serviteurs qui gagnaient des PV et de l'attaque en fonction de des morts. Est-ce que tout se passe bien? Attends, Mokringer déclenche deux fois. Ah vas-y, ça on prend. Parce que je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui joue bête. Pas moi. Bon, lui, il joue bête. Il joue Murloc. Le pirate. Allez, il joue bête, ok. Voilà. Et voilà. Ah bah du coup on peut vendre lui et acheter ça. Putain, là on commence à faire très mal en vrai. C'est quoi ça? Vas-y. On pose lui. Pour l'instant c'est tout. Attends, lui il fait quoi du coup? Chaque fois qu'une bête pop, il lui donne plus 4. Non plus maintenant parce que... Parce qu'il n'y en a plus des bêtes. Enfin parce qu'il est plus là, il est mort surtout. Bah voilà. Donc, très bien là. Alors ok, après on jouera contre qui? Contre elle. Qui joue des démons. Donc on va toujours pas jouer notre carte. Notre carte spéciale. On va faire ça. Pourquoi pas. Putain. Il n'y a pas ce que je veux. Et le maître chien, mais bon. Allez-y, engagez une. J'aimerais plus. Truc du style. Truc qu'il n'y a pas là, quoi. Est-ce que je pose le rat maintenant? Lui, en vrai, je sais pas si on va le garder. On verra. Tout le monde vous a dans le collimateur. Faites attention! Ah
Ok. Ok. Merde, il n'y a plus... Il n'y a plus celui qui les booste. Il est mort. Et voilà. Comme d'hab, la hyène qui fait tout. Ok. Après, on va jouer contre lui. Bon, et le pirate. Putain, je joue pas sur prendre. Voilà, on fait quoi? Putain, c'est chiant cette situation. J'aurais choisi le même. Putain, ça donne plus 2 à une bête, quoi. Les chiens sont de santé. C'est hyper utile, ça. Il faut vraiment booster mes taunts, parce que... Plus longtemps ils resteront en vie, plus longtemps eux, ils seront protégés, en fait. Voyons si vous parvenez à rester en tête. On a l'air pas mal en vrai. Merde, il a tué celui qui boostait. Non, je crois que ça ira. Ouais, ça ira. Comme d'hab, après ça la gagne en fait. Beau travail. Continuez sur votre lancée. Alors, on va prendre ça. Un choix tactique intéressant. On a le lion. C'est pas mal. On va déjà faire ça. C'est ouf ça. Puis voilà. Et nous, lui. Mais bon, moi, il faut que je chope une bête de niveau 4. Hein. Voyons si vous que je puisse poser son plateau. Merde, il a tué ma hyène. Bon, c'est pas grave en vrai. Une fois, ça peut arriver quoi. Elle est où la miss qui joue bête? Pourquoi je l'affronte pas? J'apprends juste après, ok, très bien. Vous rend plus fort.
On va prendre ça. Bouclier divin. Puis on va le mettre à la hyène, en vrai. C'est plus important qu'elle meure pas. On dirait que vous pouvez obtenir les gagnants. Ah, bien joué. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. C'est ça qu'on voulait en vrai. On augmente au niveau 5. Et on le vend. On pose ça. D'ailleurs, je vais faire mon pouvoir héroïque sur l'ours pour le faire passer une carte dorée. Très clairement. C'est un niveau 4, hein. Non, c'est un niveau 5. Ok. Très bien, niveau de batterie à 15, très bien. En vrai, c'est ouf ce qu'on propose là. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire. Vous vous débrouillez bien. Maintenant, on va faire ça. Ok. Ça. Non, c'est con, putain. Je les ai tous déjà en doré. J'espérais un autre. Mais bon. Mais bon. Il me faut un rat, en fait. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Il me faut un rat. Un rat ou bien une bonne bête, quoi. Une bonne bête, comme on aime, quoi. Qui a bien de la chair. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Non, en vrai, les bonnes bêtes, elles sont au niveau 6. Faut clairement que je passe au niveau 6. Ouais, très clairement. Très, très clairement. Prochain tour, on passe niveau 6. C'est sûr. Sûr et certain. Là, en vrai, on a moyen de faire des trucs avec ce que j'ai posé là. Lui, en vrai, je l'enlèverais, moi. En fait, ça peut être bien d'avoir deux tours, quand même. Putain, il en a à 45, lui. Il n'est pas dans la main. Je crois que le combo Mama... Comment il s'appelle ? Maman Ours, plus lui, plus chef de la meute, ça fait tellement mal. La douleur. Bon, bah, il est mort. Allez, ciao, ciao. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Alors, on augmente la taverne.
Ouais, mais si on fait ça, on pourra pas avoir... on pourrait rien acheter ce tour-là. Ah oui, lui, putain, lui, il le faut. Bon, ben, on l'achètera le prochain tour, quoi. Je vais pas vendre mes trucs maintenant. Parce que regardez ça. Lui, quand il meurt, il donne +5/+5 à toutes mes bêtes. Donc tu le mets tout à gauche, il attaque en premier, il meurt, et voilà. Bon, faut juste pas que je meure, quoi. Elle joue quoi, déjà? Pirate. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça va faire mal. Honnêtement, je pense que vous avez toutes vos chances de l'emporter. Vous êtes en tête. C'est dans la poche. En vrai, ça va. Ah non, il est à 78, son singe. Ok. Je sais même pas si j'arriverai à le tuer, en fait. Bon, il a 46 points de vie, ok. Bon, en vrai, 78, on s'en fout. Une fois que c'est plus de 20, ça me tue de toute façon quand il arrive. Après, pas besoin d'être à 78. Hein. C'est complètement con. Oh, il a pas tué ma mère. Bon, là, elle l'a tué, par contre. Ça va être chiant. En vrai, pas tant que ça, puisqu'ils ont déjà tous pop. En vrai, ça va, ouais. Oh, nice! Je m'attendais pas à ça! Une égalité! Je m'attendais pas à une égalité! Alors... on achète ça. Engager une recrue. C'est une bête, ça? Non, c'est rien du tout. Merci. C'est tellement ce que je voulais. Ça me permet de tout faire. Alors, ça me permet déjà de vendre lui. Ensuite de poser ça. Le rat il est à combien? 4-4 seulement? C'est vraiment pas ouf hein. Bon, en vrai on va vendre lui. Puis on va poser lui là. Ouais, c'est vrai qu'il me donne ça. On a toxicité. Il faut jouer toxicité. J'aurais dû la poser. À la place du lion. Non mais c'est ça le truc. Je le pose à la place de quoi la toxicité? Attends, la main verte elle fait quoi? +8/+8. Mais lui il sert à rien du coup. On va le gicler. On va gicler lui. Oh, si on est vivant. Il faut qu'on survive, putain. Merde. Oh yes. Yes, il meurt. Ça fait quoi, 11? C'est parfait. Ok, ok, ok. Convert bouclier divin, furie des vents. Et +10/+10 à un serviteur allié. Bah vas-y. Transforme serviteur allié en carte dorée, on s'en fout. 5 premières actualisations, on s'en fout. On va le donner à la Mama Bear. On va acheter l'araignée. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à trouver une dernière araignée.
rien à gagner. Enfin, je pourrais pas faire mieux en tout cas. Clairement pas faire mieux. Ah oui, je peux trouver un loup encore, c'est vrai. Bon, on va vendre ça déjà. Merde, je peux en poser qu'une. Vas-y. Si je gagne pas avec ça, c'est officiellement impossible de gagner avec un gameplay bête. Il n'a pas attaqué le bon. Putain, yes, il attaque le bouclier divin. Putain, heureusement que j'ai mis le bouclier divin parce que eux, les deux à la fin, là, je peux pas me permettre de les perdre. Putain, honnêtement, ça sent bon. Hein. Elle a fait la toxicité. Et mais c'est ouf ce qui s'est passé. Et voilà. Vidéo d'avant. Top 6ème, je crois. Cette vidéo top 1. J'ai envie de dire normal. Et c'est la première fois que je fais un top 1 avec. En jouant que des bêtes. Les top 1 que j'ai fait, c'était avec des pirates et des mechas. Premier top 1 avec bêtes. Magnifique. Infligé 200 points de dégâts au joueur adverse. Facile, j'ai envie de dire. Et puis voilà. Un gameplay oufissime. Bon travail. Continuez sur votre lancée. Oufissime. J'espère que vous avez kiffé. Vous ne souffrirez pas ça tous les jours parce que vous voyez, c'est le troisième seulement que je fais. J'ai fait 30 top 4 et beaucoup plus de parties. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis salut, salut et à la prochaine. Ciao, ciao.